Congo, oye, oye. Congo, oye, oye. PCC, oye, oye. PCC, oye, oye. PCC, toye lelo, toye lelo. Spécial diaspora de la radio Congo Vision qui vous parvient de l'état de la Caroline du Nord aux États-Unis d'Amérique. À la présentation, votre compatriote Dr Sylvestre Ngoma. L'année 2016 est en principe une année électorale en République démocratique du Congo. Alors que le processus électoral est déjà en marche, notamment en ce qui concerne les élections provinciales, l'organisation du scrutin présidentiel pose problème. En effet, prévu pour novembre 2016, il y a encore plusieurs obstacles à surmonter à 8 mois de l'organisation de l'élection présidentielle, notamment l'enrôlement de nouveaux majeurs et des Congolais de la diaspora, la révision du fichier électoral et surtout le respect du délai constitutionnel. Pourtant, plusieurs personnalités de la diaspora annoncent dans les médias leur candidature à l'élection présidentielle. C'est le cas de notre invité. Nous avons donc le plaisir de nous entretenir aujourd'hui avec un candidat présidentiel qui est basé aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit de M. Emmanuel Wei. M. Wei, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un homme d'affaires congolais vivant aux États-Unis d'Amérique depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à postuler à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, votre pays? La première fois que je suis rentré au pays, j'avais fait 20 ans, j'étais ici aux États-Unis. La première fois, quand je suis rentré au pays, quand je vis la dégradation de notre pays et le niveau de la pauvreté, c'est ça qui m'a vraiment frappé. Je sais que c'est un pays riche, avec un leadership qui est très bien. Ce pays peut être un différent pays. C'est ça qui m'a poussé à voir comment les gens meurent chaque jour, comment les gens meurent de faim, comment il n'y a pas d'infrastructure. Ça, ce sont les motivations qui m'ont permis de... Quand je suis rentré, je me suis dit, au lieu de se plaindre, mais il faudrait que je prenne une décision. Et la décision, c'était de prendre une action. L'action, c'est de présenter et participer à la reconstruction du pays. Alors, votre souci, selon votre site internet, est aussi... D'après ce que j'ai pu récolter, quelques éléments que j'ai pu récolter à travers les interviews que vous venez d'accorder à la presse américaine, votre souci est donc de redémarrer l'économie de la RDC, installer un état de droit et créer un système de sécurité nationale fort en RDC. Avoir une vision est une chose. Quels atouts avez-vous pour concrétiser cette vision? Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais 26 ans. Alors, j'avais que 135 dollars dans mes poches. J'avais une vision et j'avais ce qu'on appelle un petit courage. Je suis arrivé aux États-Unis, ma femme m'a rejoint un an plus tard avec un enfant. On n'avait rien, on ne connaissait personne. Nous, nous sommes des francophones, je ne parlais même pas anglais parce que avant de venir aux États-Unis, j'étais en Europe, on a fait
à beaucoup d'années en Europe. C'est là où on s'est rencontré avec ma femme, on s'est marié en 84. En Europe, 85. Donc en France, à Paris. En France, à Paris, oui. Ah, à Paris, bien, merci bien. Quand je suis arrivé ici, je ne parlais même pas la langue. Mais avec cette vision, j'ai voulu créer quelque chose. Je me dis, oh, j'aime être l'entrepreneur. C'est quelque chose qui est en moi. Petit à petit, j'ai appris et j'ai accompli ce que j'ai voulu faire quand je suis arrivé. C'est ça qui fait que quand j'ai une vision, je cherche les éléments qui vont m'aider à arriver à cette vision. C'est avec ce courage, avec cette expérience de créer quelque chose de rien, que je trouve que je suis un candidat qui peut rentrer avec tous les obstacles que je vois au pays. Je peux construire le pays. Actuellement, on n'a rien. On est vraiment là. Je ne sais même pas si nous, actuellement, je crois que nous sommes les derniers pays dans le système des Nations Unies. C'est à partir du dernier et remettre le pays là où il était. Et en 2010, je suis rentré au pays. J'ai pris 38% de la compagnie, j'ai amené ça au pays. J'ai ouvert un bureau sur le boulevard le 30 juin. J'ai engagé des gens que j'ai payés très bien. À partir le salaire de mon chauffeur était $350. Les gens qui travaillent pour la compagnie, je ne peux pas dire leur salaire parce que c'est confidentiel. C'était plus de $350. Donc, j'ai été au pays, j'ai eu l'expérience et je sais ce que ça demande pour redémarrer l'économie de ce pays. Alors, quand vous évaluez le leadership du pays à partir d'ici, à partir des États-Unis, qu'est-ce que vous trouvez que vous pouvez apporter sur le plan de la gestion du pays que les autres n'arrivent pas à apporter? Alors, si vous êtes entrepreneur ou vous êtes manager ou supervisor d'une compagnie, mon père était banquier. La première chose dans toute gestion, c'est la discipline. Vous savez très bien que toute compagnie, même le pays, même l'État, il commence toujours avec le budget. Et quand le budget est créé, le budget doit être respecté. Parce que sans discipline, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez dire, OK, nous avons, par exemple, on prend une somme de $5 millions. On dit, OK, le 5 millions est départagé par 5, ou bien par 5. 1 million pour l'éducation, 1 million pour ceci. Mais il y a un autre ministre, lui-même le président qui dit que non, le million de l'éducation, moi je vais aller en vacances, donne-moi les $500. Et amène les 500 000. Il y a déjà un trou qui est créé. So, créer le budget, c'est quelque chose d'autre, mais avoir cette discipline de respecter ce qu'on a créé, c'est ça qui nous manque au pays. Il n'y a pas de discipline. Et il y a un deuxième point, c'est l'impunité. Quand même les gens qui entourent le monsieur qui est le leadership font quelque chose que le chef doit punir, dire que bon, si même moi je n'ai pas fait ça, mais mes collaborateurs ou un de mes subordonnés qui a fait ça, il doit être puni. Pourquoi personne n'est pas puni? Mais manque de discipline, l'impunité. On n'a pas expliqué, aller au pays, aller au Congo, c'est ça le résultat. Votre père, vous avez parlé de votre père, Monsieur Robert Wei, qui était à la tête de l'Union Zaïroise des Banques, IGB. C'est cela, si je ne me trompe pas? Bien sûr. Voilà. Alors, parlons un peu de cette pléthore des candidats à l'élection présidentielle. En 2011, il y a eu 33 candidats. Cette année, aux États-Unis, il y a déjà plusieurs personnalités congolaises qui déclarent à travers les médias leur candidature. Il s'agit par exemple du professeur John Malala, du docteur Georges Alula, du docteur Noël Tiani, de vous-même, Monsieur Emmanuel Wei, du professeur Matungulu. De tous ces candidats, qui a le plus de chances de gagner les élections? Et pourquoi ne pas soutenir un seul candidat, faire une sorte de front commun? Je vais répondre à cette question par trois points. Le premier point, je vais dire, c'est la démocratie. C'est pas moi de dire que M. X, M. Y ou M. Z ne peut pas se présenter. C'est pas moi de dire ça.
c'est au peuple congolais de décider, dire que non, ce monsieur ici est capable, le monsieur n'est pas capable. Ça, je vais laisser ça au peuple congolais d'être juge. Le deuxième point, je vais faire la différence. La différence, tu vois, ce qui me différencie entre le candidat qui sont ici aux États-Unis et moi-même. Il y a une chose, être président de la République, ce n'est pas être un superviseur d'une compagnie. Parce que quand tu deviens superviseur d'une compagnie, bien manager d'une compagnie, la structure est déjà créée. Les ordres sont déjà créés, les règlements sont créés. Vous venez, on vous donne ce qu'on appelle ici en français un stage, une préparation. Après une semaine, le monsieur qui est supérieur trouve que le monsieur peut être manager. Ce que vous faites, c'est que vous suivez les règlements, tous les systèmes qui nous a créés. Mais quand on devient président, il n'y a pas un système qui est créé, surtout dans une démocratie qui est jeune comme la nôtre, dans un pays qui n'est pas sécurisé, dans un pays où l'infrastructure, il n'y a même pas d'infrastructure. So, vous devenez comme... La modernisation. La modernisation des infrastructures au Congo. Hein? C'est la révolution de la modernité, n'est-ce pas? Vous avez vu ça, vous avez été au pays, vous avez vu... Mon frère, je vais au pays chaque année et je reste là 7 ans. Mm-hmm. Je m'excuse, 7 mois. Mm-hmm. Mais je ne vois pas cette modernisation. Mm-hmm. Hein? Parle-moi de cette modernisation. Parce que la modernisation, ça se voit, ça se sent. Je ne vois pas ça. Quand je suis à Kinshasa, je loue un appartement à la Gombe, ma maman est sanguinée. Je vais là-bas parfois 3, 4, une semaine, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Je ne vois pas la modernisation. Ouais. Pour moi, c'est que l'atout que moi j'ai par rapport aux autres, j'ai été chef d'entreprise pendant 17 ans. J'ai créé une entreprise ici et en Afrique. Alors, j'ai été membre de, association de fondateurs de compagnies. Association, comme on appelle aux États-Unis, CEO, au pays, on peut dire l'association de PDG. J'ai été membre de l'association des investisseurs. C'est facile de dire, je vais redémarrer l'économie. On redémarre l'économie comment? On redémarre l'économie, il faut de l'énergie. Cette énergie-là, c'est l'investissement. Et les investisseurs doivent être invités dans un pays qui a beaucoup, beaucoup de challenges, beaucoup d'obstacles. Pas de sécurité, je n'ai même pas énuméré parce qu'il y en a 25 ou 30 obstacles, comme on dit ici, challenge au pays. Mais il faudrait inviter ces investisseurs. Je ne parle pas des investisseurs boutiques qui viennent là-bas, ils créent une petite banque où on engage 5 personnes, il n'y a pas de système de crédit, on te donne 1 000 $ ou 2 000 $. Non, je parle des investissements qui créent la classe moyenne. Je veux dire, un salaire entre 400 $ et 6 000 $. C'est ce qu'il faudrait créer pour bouger une économie. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un ici aux États-Unis, ici, tous les candidats, qui peut appeler ces gens-là par leur nom. Comme j'appelle ici M. Sylvestre, je dis, je vous appelle directement sur votre ligne, je dis, venez au Congo, venez investir, le pays est sécurisé, on a besoin d'emplois. Je ne crois pas qu'il y ait un candidat qui peut le faire. Mais moi, je peux le faire. Parce que j'ai déjà commencé à travailler pendant, ça fait 1 an et demi, aller dans presque tous les États, dans 20 différentes industries, dire, monsieur, monsieur X, monsieur Y, je vous invite, venez créer des emplois chez nous. Le pays d'ici peu de temps sera sécurisé. Donc on sait qu'on a des problèmes, on ne peut pas mentir. Venez, mais donnez-nous le temps. Je ne crois pas qu'un candidat qui peut le faire, qui peut arriver à le faire. Parce que quand vous arrivez au pays, je suis entrepreneur, j'étais au pays, j'ai créé des emplois. Le problème que vous entendez partout, ah, tout ça, on est salaté. Ah, on n'a pas de travail. Tout ça, on est salaté.
C'est le problème. So, tous ces gens-là, je ne crois pas qu'ils ont une solution. Parce que ce sont des bureaucrates. Moi, je ne suis pas bureaucrate. Je suis un entrepreneur. J'ai déjà fait ça. C'est ce qui fait que quand moi j'arrive, je comprends déjà qu'est-ce que le pays a besoin. Et je sais qui appeler. Dire qu'un groupe d'investisseurs qui vient d'abord dans le secteur de ceci, dans le secteur de là, venez, prenez tout ce qu'il faudrait, comme on dit, le papier pour ouvrir une entreprise au pays. Et on peut avoir, vous donner peut-être une petite extension de dire que bon, 2 ans, vous ne payez pas les impôts, vous ne payez pas 100% les impôts, mais à contre-valeur, vous engagez 100 personnes avec un salaire au moins, je dis bien au moins, de 200 dollars. Le salaire que je vois, c'est ça, 25-30 dollars. Comment vous allez vivre avec 30 dollars avec une femme et 2 enfants, 3 enfants, louer une maison à nourriture? So, c'est ça qui me différencie avec ces gens. Moi, je ne suis pas bureaucrate, je suis entrepreneur, j'ai déjà fait ça et je sais comment le faire pour notre grand pays. Alors, vous venez déjà de commencer à nous parler de votre background. Vous êtes entrepreneur. Parlons un peu plus de votre background. Vous avez des liens avec le kimbanguisme. Vous avez épousé Madame Odette Kisolokele. Vous avez aussi des liens avec les femmes entrepreneurs de la RDC. Vous avez étudié à l'École internationale de hautes études à Paris, où vous avez étudié les relations internationales. Aux États-Unis, vous avez appris les computer science, l'informatique. Alors, parlez-nous un peu plus de votre background professionnel et académique. Ah, ok. Merci bien. Moi, comme je dis avant de venir ici aux États-Unis, sur et en Europe, en France, c'est là où j'ai fait le relation internationale. À l'époque, je voulais être dans la diplomatie. J'ai toujours aimé l'histoire, savoir comment les relations entre deux pays. C'était quelque chose qui m'a toujours passionné. J'ai toujours aimé l'histoire. So, j'ai été en France, j'ai fait les relations internationales. Mais après avoir fait les relations internationales, il y a quelque chose que j'avais en moi qui me disait que non, ça c'est pas pour toi. Ça c'est le business, c'est ce que moi comme c'est quelque chose qui brûlait en moi à l'intérieur. Parce que aller au bureau chaque jour faire la même chose, ça me dérangeait un peu. Après avoir terminé en France, quand je suis arrivé aux États-Unis, la première chose que je fais comme j'étais francophone, avant de commencer n'importe quoi, j'ai d'abord pris mon temps d'aller à l'université apprendre l'anglais. Parce que je savais qu'une langue, il faudrait la parler correctement, il faudrait la écrire, et c'est très important. C'est ce que je fais rentrer, et quand je suis venu aux États-Unis, je suis parti, j'ai appris l'anglais, comment écrire, comment parler et comment lire. Et je suis rentré, comme à l'époque, c'était le début de l'évolution de l'informatique. Je suis rentré, apprendre l'informatique, comment utiliser le computer, ce genre de trucs-là. Quand j'ai terminé, maintenant, c'est là où je m'étais décidé quoi faire maintenant avec ce que j'ai appris. Avant même de venir, de commencer ma carrière professionnelle, je vais d'abord parler de là où je suis né. Mes parents sont du Bas-Congo, nous sommes de Bisingombe. Mais mes parents sont nés à Kisangani. Ma mère comme mon père. Leurs parents sont partis à Kisangani, mes grands-parents, pourquoi? Du côté de mon père, sa mère, à l'époque, elle avait 12 ans, je me rappelle. Entre 12 et 13 ans, si ma mémoire me sert bien. Elle était la première personne qui a commencé à travailler avec le prophète Simon Kimbangu. Comme ma grand-mère a été baptisée chez les protestants, elle savait comment lire et écrire, et surtout, elle savait lire la Bible. Et le prophète Simon Kimbangu
a commencé son travail et ils se sont vus le jour même, les deux recevaient leur baptême chez les protestants. Ils étaient sur la même rangée, je peux dire. Et après la cérémonie, Papa Simon Kimbangu l'appelait, il parlait. Sauf quand Papa Simon Kimbangu a commencé son travail, la première personne qui a travaillé à côté de lui, c'était ma grand-mère. Et bon, vous savez, comme tout le monde qui a accepté Papa Simon Kimbangu était arrêté, envoyé au nord, là, c'était même pas une ville ou un village, non. On les a envoyés, tout le monde, c'était dans la forêt. Du côté de ma mère, ses grands-parents, ils n'étaient pas kimbanguistes, ils étaient protestants. Mais comme c'était des grands commerçants à Tisville à l'époque, maintenant c'est Mbanzangungu, c'est eux qui ont commencé le système qu'on appelle maintenant Ntsintsani. Hein? Certaines personnes disent Ntsintsani. Mais quand on voit que Congo dit Ntsintsani, c'est eux, comme ils étaient des grands hommes d'affaires, c'est eux qui faisaient la levée de fonds pour Papa Simon Kimbangu. Vous savez, dans tout mouvement, il y a deux éléments qui sont importants. Il y a l'humain et il y a la finance. C'est eux qui finançaient le mouvement. Quand le Belge ont appris ça, ils ont arrêté et les gens qui suivaient le prophète et les gens qui finançaient le mouvement. C'est la raison pour laquelle mon père et ma mère sont tous nés à Kisangani. Mon père a commencé à travailler à l'époque avant de qu'on change le nom, c'était BBA, Banque Belge d'Afrique. Il a commencé à travailler la banque en 53. Moi, je suis né en 59. En 60, on est rentré après l'indépendance, on est rentré au pays. Parce que là, j'ai grandi à Kinshasa. J'ai grandi à Bandal à l'âge de, je crois, de 9 ou 10 ans. Mon père a été invité encore à Kisangani en tant que président de la banque. On est resté là-bas 4 ans. Moi, je suis resté là-bas, c'est ma 2 ans, parce que mon père m'a envoyé à l'internat à Kisangani. Ça, c'est kimbanguisme, mais ce n'est pas seulement. Et à Kisangani, vous avez étudié dans quelle école? Saint-Vincent de Paul. Ok. Ah, Saint-Vincent. Kimbanguisme, pour moi, ce n'est pas seulement du côté de ma femme, parce que ma femme, elle est la première arrière petite fille de Papa Simon Kimbangu et la première petite fille de Papa Charles Kisokele et la première fille ou premier enfant de son père qui est mort en 95, Papa le feu Papa Kisokele Wamba. La connexion vient de du côté à partir de ma grand-mère. Mais quand on s'est rencontré avec ma femme, je ne la connaissais pas. Je ne savais pas qui elle était. Elle aussi ne savait pas qui moi j'étais. Elle est venue en retard à l'université. Moi, je l'ai aidée pour... elle a commencé à la même... comment dirais-je, faculté que moi je faisais, relations internationales, et puis elle a changé en sociologie. C'est moi, j'étais là pour aider. Après, je crois que un mois, on parlait. C'était bizarre, il me parle de son grand-père. Moi, j'ai dit, oh, c'est son grand-père. Je parle de ma grand-mère, c'est comme ça. Et avant, quand on s'est vu, moi, je ne savais pas qui elle était. Elle, non plus, ne savait pas qui moi j'étais. Ça, c'est ma connexion avec l'église kimbanguiste. Moi-même, j'ai grandi dans le système catholique. Je ne suis pas mon père, comme pour lui, le système éducatif catholique était le meilleur système. Je suis. Depuis l'école gardienne, j'étais toujours dans le système catholique. La famille est divisée. Du côté de ma maman, les gens sont protestants. Du côté de mon père, les gens sont kimbanguistes. Du côté des enfants, il y a aussi, comme moi, des gens qui sont catholiques. Du côté... quand je suis en 2000, je vous ai dit, en 2010... j'ai pris la décision d'amener une grande partie de la compagnie à Kinshasa. Quand nous sommes arrivés, on a ouvert le bureau, tout, on a vu que à Kinshasa, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent pas comment être vraiment un bon entrepreneur. Parce que même ici aux États-Unis, il y a des séminaires qui se font pour vous apprendre comment, par exemple, faire une bonne comptabilité, comment faire travailler la finance de l'entreprise, et qu'est-ce que... mais chez nous, ce genre de trucs, ça n'existe pas. En 2011,
quand nous sommes rentrés, quand je dis nous sommes, moi et mon business partner, j'ai un partenaire dans la compagnie, j'ai la majorité, lui il a la minorité, mais nous sommes des partenaires et nous sommes des amis. Nous sommes, je suis rentré, je l'ai amené pour que c'était la première fois qu'il a visité le pays, pour voir là où étaient nos opérations au pays. On a été invité à l'ANAPI. L'ANAPI, c'est une agence qui est là pour avancer les investissements au pays. À l'époque, la personne qui était responsable, c'était le professeur Bobo. C'est là où on a invité le maman congolaise qui sont dans des petites et moyennes entreprises. Il y a une chose que je dis à tout le monde, je dis au Congo, c'est ce que moi j'aime chez nous. Homme ou femme, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On n'a pas cette mentalité de dire que oh, ça, la femme ne peut pas faire. Non, moi chez nous, c'est ce qu'il y a une positivité qui est restée. Une femme peut faire tout ce qu'elle peut faire. Elle peut acheter, peut avoir, elle peut être entrepreneur. Il y a un groupe de mamans qui sont venues, jeunes mamans dans les trentaines, qui sont dans des différents business, grossistes, détaillants, export-import. Comment elles savaient que moi et Chuck, mon partenaire, on est dans le business, ça fait longtemps, on a eu des sessions avec elles. Leur apprendre comment avec les activités journalières, qu'est-ce qui leur manque. Elles nous ont parlé de vous savez qu'en nos pays, et surtout dans le business, il y a toujours beaucoup de challenges, de beaucoup d'obstacles. Et le problème de crédit, parfois, elles veulent importer quelque chose qui est important pour la compagnie, mais le crédit n'est pas là. Comment faire? De toute façon, on a vraiment eu notre temps pour les former, leur montrer comment être un bon entrepreneur. Et je crois qu'on a fait un bon boulot. Et avec l'ANAPI, l'agence elle-même, l'agence nous a demandé comment faire pour inviter les investisseurs de venir au pays. Alors ça, je ne peux pas aller dans les détails, mais j'ai amené les investisseurs dans le secteur de mines, dans le secteur de hydrocarbures, dans le secteur de l'aviation, dans le secteur médical et dans le secteur de... j'ai oublié notre secteur, j'ai amené toutes les grandes compagnies. Mais je ne peux pas être hypocrite, je vais être direct envers vous, M. Sylvestre, j'étais déçu. J'étais déçu. Parce que, comme je dis, je ne veux pas dire le non. Ça, ce n'est pas manque de maturité. Mais il y a certaines personnes qui ont demandé certaines choses que j'étais étonné. Et j'ai vraiment plaidé à ces gens. Je dis, ce qu'on fait, c'est pour le pays. Ça va créer des emplois. Et vous, avec votre égoïsme, vous voyez que vous-même, c'est ça qui m'a découragé. Et tous les investisseurs sont rentrés. La plupart, c'était dans l'Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. Et je me suis dit, bon, je ne vais plus emmener les investisseurs parce que j'étais déçu à cause de ce que j'avais vécu dans certains bureaux de certaines entités dans notre pays. Maintenant, ici aux États-Unis, pendant, comme je dis, ça fait 18 ans que je suis président et CEO de la compagnie. La compagnie, nous sommes dans... On n'était que dans le mine jusqu'à 2012. Après, on a ajouté ce qu'on appelle de renewable, qu'on appelle en français les énergies renouvelables. En 2013, quand je suis parti au pays, on a amené de cartons de lampes solaires, chargeurs solaires, tout ce que les gens ont besoin là où il y a manque d'électricité. C'est le marché qu'on est en train de tester. On voulait faire entrer tout le produit cette année ici, mais avec les élections, on tarde un peu à voir comment les choses vont évoluer. Quand je parle, on attend, c'est pas moi. Moi, je me suis retiré du business, c'est la compagnie. Ils veulent pas amener le produit au pays quand il y a un peu la température n'est pas constante, tu vois. Il y a un peu de haut, de bas de ce qui se passe au pays. Mais après les élections, je crois que la compagnie va amener en une grande masse
du côté des énergies renouvelables pour essayer un peu d'aider les gens et le marché en vendant des produits que tout le monde peut utiliser et, comment dirais-je, répondre à leurs besoins journaliers. Voilà. Les énergies renouvelables, c'est le pays en a vraiment besoin, et surtout que Inga ne fonctionne vraiment pas très bien. Le barrage d'Inga ne fonctionne pas très, très bien chez nous. Il y a toujours des problèmes d'électricité à Kinshasa, comme vous avez mentionné. J'ai aimé le fait que vous êtes passé par un programme de English Transition Program. Et nous, on a eu la chance, moi personnellement, j'ai eu la chance d'avoir fait l'anglais au pays. J'ai quitté le pays avec une licence en anglais de l'UPN. L'Université pédagogique nationale. Donc, cela m'a permis à mieux m'intégrer ici et à avoir, jusqu'à avoir mon doctorat en système en IT, Information Technology. Alors, parlons de vous. Vous avez un parti politique qui s'appelle Congolese Central Party. En français, Parti Central Congolais. Parti Central Congolais. Parlez-nous brièvement de son projet de société, de votre projet de société. Quel est votre plan de développement pour la RDC? Quels sont les axes prioritaires? Si vous êtes élu aujourd'hui, si vous êtes élu président de la RDC en 2016, quels sont les axes prioritaires? Ok, je vais d'abord parler du parti. Le parti a été fondé en 2005. C'est l'année qu'on a commencé le parti. Et la raison, on n'a pas voulu intégrer dans un autre parti. Pour moi, une personne, la définition d'une personne, c'est la crédibilité. Quand partout au monde, dans le pays qui marche très bien, si vous n'avez pas de crédibilité, je m'en fous, qu'est-ce que vous avez? La crédibilité, c'est l'honneur. J'ai trouvé que dans certains partis, ça c'est ma propre opinion, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Cet élément de crédibilité, cet élément d'honneur, et puis l'élément de servir. Parce que j'ai remarqué que nous, en tant que Congolais, on a perdu cet élément qui est très important pour nous, les Bantous. C'est aussi de servir. On est devenu trop égoïste. Donne-moi, moi. Et les autres, même, sont en train de mourir dans la rue, de la capitale, dans des provinces. Je m'en fous éperdument quand j'ai ce que moi, je voulais avoir. C'est ce qui m'a un peu découragé de dire que non, je vais créer un organe qui va servir les gens. Non seulement nous, mais servir les gens. C'est la raison pour laquelle, la raison qui m'a poussé de créer un parti qui sera un parti crédible avec des gens qui respectent les éthiques. Vous ne venez pas pour vous enrichir. Si vous avez quelque chose parce que vous avez travaillé, parce que vous avez mérité ça. C'est la raison, la base même pour moi de créer ces partis. Et en ce qui concerne ma plateforme au projet de société, j'ai la chance, l'opportunité. En tant que chef d'entreprise, je parle, je voyage beaucoup et je vois les gens qui sont les responsables de grandes sociétés, petites sociétés, sociétés moyennes. La première chose que vous entendrez, c'est tout le chef d'entreprise en ce qui concerne le Congo, c'est la sécurité. On me dit, oh monsieur, on veut venir, oh mais ce pays-là, il n'y a pas de sécurité. Vous prenez le personnel, le matériel, vous allez au Congo, vous ne savez pas ce que ça va se passer le lendemain. Le problème clé de notre pays, c'est la sécurité. Et si vous voyez, vous faites une petite enquête dans tout le pays, il y a deux dénominateurs communs. Il y a d'abord
pour que tout pays qui marche, il y a la sécurité et il y a le peuple qui est éduqué. Quand vous voyez même aujourd'hui la Chine qui est en train de monter, vous allez au Canada, vous venez chez où on habite au States, vous allez en France, en Belgique, vous trouverez tous ces deux éléments. Ce sont des éléments qui sont des dénominateurs communs. C'est d'abord un pays qui est sécurisé et un peuple qui est éduqué. Mais la RDC, comme vous le savez, vient de connaître une longue période de conflit avec certains pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Quelle sera alors votre politique régionale si vous êtes élu président de la RDC? Quelles relations allez-vous avoir avec ces pays? Pour moi, cette question a été posée plusieurs fois dans différentes circonstances, médias, à privé, les amis. Je l'ai redit, mon père m'a dit quand je grandissais, parce que comme j'étais son premier fils, il me dit, bon, je ne sais pas, le lendemain n'est pas garanti. Le lendemain, c'est le bon Dieu qui décide si vous allez arriver ou pas. Mais une chose, je suis votre père. Si quelque chose m'arrivait, vous serez la personne qui va diriger la famille. Quand on est leader, on dit il y a deux éléments qu'il ne faut jamais oublier. Vous devez marcher avec les deux éléments, l'intelligence et la sagesse. Tu ne peux jamais prendre une décision en ignorant l'un ou l'autre. Quand je vois le problème qui se passe là-bas, à l'est du pays, on a perdu beaucoup de gens. Il y a certains pays, il y a certaines personnes qui crient, il faudrait aller en guerre, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Ma politique à moi, avec ce que j'ai appris et ce que je lis de monsieur, le grand monsieur, m'a dit, Nelson Mandela, parfois, en tant qu'administration, vous pouvez aussi pardonner. Il dit, ok, ça, on va laisser ça dans le passé. On parle du présent et on parle du futur. Parce que si aujourd'hui on décide, c'est ok, on a une bonne armée, on a tout ce qu'il faut. Il faudrait attaquer Burundi, attaquer Rwanda, attaquer Ouganda, attaquer Tanzanie. Je dis seulement les noms comme ça. Tous ces pays, nos frères et sœurs, nous sommes frontaliers. Il y a une chose, il y aura encore des morts, il y aura encore des dépenses, parce que je ne sais pas si les gens savent qu'est-ce que ça prend pour aller en guerre. La guerre, c'est cher. Il faudrait nourrir le soldat. C'est ceux qui sont blessés. Il faudrait acheter les médicaments. Il faudrait loger. Il faudrait leur payer. Pourquoi dépenser encore la chose la plus chère, le vie humaine et toutes les dépenses inutiles? On peut appeler tous ces trois pays, quatre pays. Tout le monde s'assoit autour d'une table. Et ok, pourquoi pas créer une politique de bon voisinage? On sait que toi, tu as fait ceci contre nous, on reconnaît ça, mais ne recommencez plus. On signe des traités et il n'y aura plus de rebelles ou de bandits qui vont se cacher chez nous, aller faire du mal de l'autre côté en Tanzanie, ou bien vice-versa, le rebelle qui se cache en Tanzanie, qui entre au Congo faire du mal et rentre là-bas. Non, il peut avoir, on crée une coopération qui est une coopération sécuritaire, on change, comme il dit ici, des informations importantes, et avec ce qu'on est en train de voir maintenant, les terroristes qui ont entré dans notre continent, c'est très important de créer cette coopération. Pour moi, aller en guerre, ce n'est pas une solution. Pour moi, c'est mettre fin à toutes ces atrocités et à s'asseoir autour d'une table, parler d'une politique de bon voisinage. Certains, peut-être, peuvent avoir on peut dédommager certains. Sans ces trucs qui ne peuvent pas être discutés à l'extérieur de cette réunion. Il y aura certaines concessions, comme dans toute la négociation. Mais pour moi, la politique de bon voisinage, c'est la meilleure politique. Je ne crois pas que. J'ai des amis qui sont généraux dans l'armée américaine. J'ai des amis qui sont partis dans le système de l'armée.
Et quand je reste avec eux, tout le monde sait que c'est pas dans des guerres, c'est pas gay. Donc pour moi, je crois que je vais approcher le problème qui se passe à l'Est dans cette façon, en utilisant l'intelligence et ma sagesse. En lisant votre projet de société, j'ai noté que l'éducation pour tous est une initiative importante de votre projet. Comment pensez-vous la mettre ou mettre cette initiative en marche dans un pays où une bonne partie de la population est déscolarisée et où il n'y a pas suffisamment d'infrastructures scolaires adéquates pour l'éducation des enfants, des jeunes, des jeunes gens et des adultes? Je vais d'abord réfléchir le mémoire de tout le monde qui a grandi à l'époque des années 60, 70, 80. Mon cher ami, vous savez très bien que quand nous grandissons, si le matin vous voyez quelqu'un qui ne va pas à l'école, tout le monde se demande, même le parent du quartier. Mais comment se fait-il que Georges ne va pas à l'école? Oh, mais cette année, je me fous. Tout le monde s'étonne. Le jeune, les filles, si tu approches une fille, tu ne vas pas à l'école, directement, tu traites de voyou. Ah, yo, que ma classe fait, toi, tu ne vas pas à l'école, tu me parles. Tu vois, l'éducation, c'est quelque chose qui était, qui était important, même dans des familles qu'on peut dire qui sont au dernier niveau de la société congolaise. Il y avait des gens qui étaient dans des villages, même s'ils ne parlent pas un bon lingala, mais tu peux entendre la personne parler français, même avec un français d'accent qui Congo, accent Tchiluba. Mais il y a des gens qui parlaient français qui allaient à l'école dans des villages. Ça, c'est quelque chose qui me fait très, très mal. Je viens d'un père qui, pour lui, l'instruction, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas négocier. Il n'y avait pas de négociation pour l'instruction. Mon père savait où j'allais à l'école, il savait le nom de mon directeur, le nom de mes professeurs à l'école primaire, le nom de mon instituteur. Je suis parti à l'école primaire à l'Institut Champagnat. Mon père était vraiment celui qui dit que, en tant que personne, tu dois apprendre quelque chose. Mais voir la situation actuellement, mon cher ami, c'est vraiment abominable. Je vais vous donner quelque chose qui m'est arrivé. Quand j'ai annoncé, j'ai engagé les gens, il y avait peut-être 25 jeunes, entre 20 et 29 ans, plus l'âge de mes enfants. Il y avait deux jeunes qui allaient toujours parler aux autres, là, parle. Bon, moi j'étais assis au bureau, je parlais avec quelqu'un d'autre, je remarque, mais je n'ai rien dit, comme le chef du bureau, c'est lui qui faisait toutes les démarches, tout le truc. Bon, quand tout le monde est parti, maintenant j'appelle Kansa, qui est le chef du bureau. Moi je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux jeunes ou trois jeunes qui allaient toujours demander quelque chose? Est-ce que le papier n'était pas bien imprimé, il y avait quelque chose qui n'allait pas? Le chef du bureau qui me regarde me dit, bon, sinon, il y avait un problème parce qu'ils ne savent pas lire. Moi, je dis, qu'est-ce que vous voulez dire qu'ils ne savent pas lire? À leur âge, ils disent, non, boss, ils ne savent pas lire. Soit ils allaient demander comment remplir l'application. Ça m'a fait vraiment, monsieur Ngoma, ça m'a fait vraiment mal. Et ce ne sont pas des petits-enfants. C'est comme je dis, l'âge de mes enfants, peut-être 20, 26 ans. Pour moi, l'éducation de base, comme on appelle ça, l'école primaire et l'humanité doit être non payant. Je me rappelle quand nous on a fait l'école primaire, on payait des minivans, mais c'était dérisoire. Dérisoire. Et si vous savez très bien, chaque année, il y avait ce qu'on appelait les DSMP, qui donnaient des livres. On allait acheter des couvertures. Si il y a quelque chose, tu abîmes le livre, on envoie une note à tes parents qui payent pour la DSMP, pour l'éducation nationale, de remplacer un nouveau livre. Mais on avait les livres de cahier. Tout ça, ça peut se faire. L'argent de l'État vient d'où? Vient des impôts. Et quand vous allez au pays
c'est, vous allez voir ça, qu'il n'y a personne qui paye d'impôts. Personne. Et si l'État ne reçoit rien d'entrée, comment l'État peut créer cette infrastructure d'éducation? Non, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut réparer. Ce n'est pas irréparable, ce n'est pas comme un cancer. C'est quelque chose qu'on peut réparer. Les enfants qui ont déjà passé cet âge pour encore rentrer à l'humanité ou bien à l'école primaire pour apprendre à lire, à écrire, on peut créer des centres. Là où ils viennent, ils apprennent à lire, écrire et apprendre quelque chose. Être maçon, être peintre, être n'importe quel truc, parce que quand on construit le pays, on aura besoin de tout le monde. Pour moi, ce n'est pas une cause qui est perdue. Avec l'amour du gouvernement et la détermination de son leader, je suis sûr que je peux créer un système. On ne va pas le faire, on ne va pas récupérer tout le monde dans une période de 2 ou 3. Je crois que ça va prendre peut-être 5 ans pour faire ces genres d'école de formation à Kinshasa, dans le Kasaï, dans le Bas-Congo. Ça va prendre du temps. Mais au moins, vous savez que vous récupérez ces enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette éducation. Parce que école primaire, humanité, comme je dis, c'est ça la base. Sans cette base, la personne ne peut pas écrire. Même un maçon, il a besoin de savoir compter ses briques. Un peintre, il a besoin de savoir, je vais mettre patron, je vais faire un service, je vais mesurer. Même le peintre doit savoir mesurer. Et le mesure, c'est faut savoir comment compter. Pour moi, c'était vraiment un crime contre le pays, ce que le gouvernement fait vis-à-vis aux enfants du pays. Ça, c'est quelque chose que je sais comment remédier. On va faire ça petit à petit. Mais je crois, dans 5 ans, on sera tous fiers de nous, dire que nous sommes fiers de nos enfants. Nous avons d'ailleurs fait quelques propositions pour l'amélioration du système éducatif de notre pays. J'ai personnellement enseigné au pays pendant au moins 10 ans. J'ai enseigné l'anglais et la sociologie. Depuis que je suis aux États-Unis, j'enseigne dans une école secondaire depuis 16 ans et maintenant j'enseigne dans une université depuis bientôt une année. Donc c'est toute l'expérience qu'on a acquise ici aux États-Unis, on s'est dit comment cette expérience peut être utile au pays. Malheureusement, le contexte ne permet pas qu'on contribue à l'amélioration du système éducatif de notre pays. Alors, une question au sujet du dialogue initié par le président Joseph Kabila. Le président Joseph Kabila souhaite ardemment voir se tenir en RDC un dialogue pour un bon déroulement du scrutin présidentiel. Soutenez-vous cette initiative? Je vais dire oui. Mais avant de répondre, je vais d'abord pour une fois vous féliciter pour ce que vous avez accompli. Et pour moi, les gens comme vous, nous sommes fiers de vous. Et quand on commence la reconstruction du pays, c'est les gens comme vous, les enfants du pays, on va appeler. Vous avez l'expérience, vous avez déjà fait ça, et vous savez comment on va redémarrer l'éducation, l'instruction au pays. Je suis, dans ma petite expérience, ma petite vie, il y a quelque chose que j'ai appris aux Américains, que quand vous voulez faire quelque chose de bien, en tant qu'humain, vous ne connaissez pas tout. Cherchez quelqu'un qui a fait ça, vous l'appelez, vous créez l'atmosphère pour que la personne soit à l'aise. Parce que s'il faudrait vous enlever sur les États-Unis, on ne peut pas seulement dire « Oh, M. Ngoma, venez avec M. Tom. » Non, on vous amène au pays, on crée cette atmosphère pour vous mettre à l'aise, et ok, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour vous de faire votre travail très bien? C'est ça la différence. Moi, je ne veux pas vous inviter, dire venez, non. Je vais créer cette atmosphère pour vous, que vous soyez à l'aise, et je veux vous donner
tout ce qu'il faut comme élément pour vous aider à faire ce que moi je demande de vous et qui va bénéficier à nos enfants, nos petits-enfants, pour qu'ils connaissent une fois encore un pays qui soit respectable. En ce qui concerne le dialogue, l'année dernière, quand il y a le bruit qui, dans le milieu politique qui se tenait que non, le pays peut-être ne sera pas prêt pour les élections, moi personnellement j'étais contre le dialogue. Je trouve qu'en tant que citoyen, personne n'a le droit de bafouer la Constitution. Parce que si, comme c'est une jeune démocratie, le président X commence, quand on voit le président Y va faire la même chose, le président Z la même chose, après la Constitution ne dit absolument plus rien. Parce que c'est un livre. Si ce livre n'est pas respecté, ça ne sert plus à rien. J'étais absolument contre. Mais actuellement, je ne suis pas pour le gouvernement, j'ai jamais travaillé pour le gouvernement. Le gouvernement n'a jamais payé. Quand je suis au pays, j'ai mon entreprise, tout ce que je fais avec mon petit pain que je gagne. Donc, je vais être clair. Ce n'est pas un ministre ou même le président m'a envoyé 5 dollars. Non. Tout ce que quand je dis, mon histoire, quand je suis arrivé, ma femme, on n'avait rien. On avait seulement 135 dollars. Avec la grâce et le travail et la vision qu'on avait, on a créé la petite chose qu'on a maintenant. Donc, quand je vais au pays, quand je défends quelque chose, c'est par l'amour du pays et pas par intérêt ou pas parce que quelqu'un m'a fait ou m'a donné quelque chose. Non. Actuellement, je vois que le dialogue s'impose. Quand je dis le dialogue s'impose, il y a un ami à moi qui est le directeur général d'une compagnie qui fabrique des machines qu'on utilise pour les élections. C'est une compagnie américaine qui est en Floride. Il m'a appelé un jour, il me dit, j'ai appris que le Congo est en train de chercher certaines compagnies. Il y a, comme on dit ça en anglais ici, un international bid. Pour que les compagnies viennent là-bas donner leurs propositions, voir quelle compagnie que votre gouvernement va engager, parce qu'ils veulent enrôler le mineur qui était pendant ces 3 ans, mineur actuellement qui sont majeurs, qui doit voter par loi, comme la loi le dit. Je dis, bon, ils ont la période qu'ils sont en train de chercher cette compagnie. Je crois que c'est jusqu'à fin mai. Ils vont décider quelle compagnie qu'ils vont engager, ça sera au mois de juin. Le temps de commencer à enrôler la jeunesse, ça sera au mois de juillet. Mois de juillet, le pays est grand et vous et moi, on sait très bien qu'il n'y a pas d'infrastructure au pays. Ça va prendre du temps pour faire tout le pays. Ça, c'est impossible. C'est impossible d'avoir les élections au mois de novembre. Je vois des gens de mon pays et certains politiciens sur le net aux interviews qui sont en train de crier au nom le 28 s'il n'y a pas élection et Robert, on va faire ceci. Comme je vous ai dit avant que mon père m'a dit quand on est leader il faut utiliser l'intelligence et la sagesse. J'ai eu un monsieur au téléphone qui est de notre pays. Nos quatre, qui sont de notre pays. Moi, j'ai dit, OK. Moi aussi, je suis très fâché. La Constitution est bafouée. Le gouvernement, le président n'a pas respecté la loi qui dit qu'on devait avoir les élections le 28 novembre. Et les élections, ce n'est pas une maladie qui après peut-être 4 ans, ça a paru le matin. On ne savait pas, oh, qu'est-ce qui ne va pas. Non. Il y a 5 ans, on savait qu'il y aurait élection dans 5 ans. Donc, c'était une obligation de notre gouvernement de se préparer pour ces 5 ans. Et le gouvernement ne l'a pas fait. Bon, comme on dit en français, le vin est tiré, il faut de le boire. Si vous pensez que le dialogue pourra aider
à éviter le pays de sombrer dans les chaos après la fin du mandat du président Joseph Kabila le 19 décembre 2016. Absolument. Pour moi, allons au dialogue, créer ce préalable, dire OK, on vous donne le gouvernement 6 mois, 7 mois. 7 mois, pas de plus. Dans ces 7 mois, préparer les fonds, préparer l'infrastructure, préparer les applications qu'on utilise pour enrôler les gens, faire les élections, donner le gouvernement ces 7 mois ou 6 mois qu'il aura besoin. Et donc les élections ne doivent pas avoir lieu, ne vont pas avoir lieu, l'élection présidentielle ne va pas avoir lieu en 2016, et donc c'est en 2017, C'est ça que... avec qui à la tête du pays? Avec le président actuel? Pour moi, ça ne sert à rien de changer notre président. Ça ne sert à rien de déranger le système. On est tous, comme je dis, on est tous en colère. Mais il faudrait savoir que si on fait quelque chose qui sera détrimental à nous-mêmes, ça sera difficile, mon compatriote, d'inviter les investisseurs. Et là, les Congolais risquent de vous... De vous attaquer parce que vous êtes pour le glissement. Ceux-là qui s'opposent au glissement, entre guillemets, à ces concepts de glissement, risquent de trouver que vous êtes dans le schéma du glissement que certains membres de la majorité présidentielle prônent. Non. Et c'est. Pour moi, ce n'est pas un glissement, c'est une petite prolongation. Pour. Sauvegarder le pays. Bon, dis-moi, j'ai demandé à un monsieur, il est congolais comme moi, c'est un monsieur qui est un intellectuel, il est très fâché. Moi, j'ai dit, OK, les élections, pas d'élections au mois de novembre, le 28, le 29, la population se fâche. On prend la rue, on va, on brûle, on tape, on tue. Et le 29, il y aura des embauches qui seront créées. Le pays directement aura un développement. Moi, j'ai dit non. Et des petites, vous-même, vous savez, M. Ngoma, que quand il y a un soulèvement, il n'y a plus de contrôle. Il y a les gens qui vont brûler de petites boutiques qui n'ont rien à voir de la politique. Moi, j'ai dit, on peut, quand tu veux prendre des décisions en tant que leader, il faut revisiter le passé. On sait que c'est passé en 91, 93 avec Mobutu. On était fâchés. Mobutu a mal fait. Je ne suis pas pour Mobutu. Mais regardez actuellement la Syrie. Vous croyez qu'aujourd'hui, si vous parlez aux Syriens, vous leur dites que s'ils savaient ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, ils n'allaient pas prendre, les Syriens n'allaient pas prendre cette avenue. Je ne crois pas. Je sais que nous sommes fâchés. Votre femme n'a pas d'oreille. Ça, je comprends. Mais 6 mois, vous donnez au monsieur, et dans ces 6 mois-là, il y a des points qui sont bien précisés. On va sauver le pays. Mais les dialogues, pourquoi faire? Le dialogue, lors du dialogue, on discute quoi? Avec qui? Puisque l'opposition aujourd'hui s'oppose à ces dialogues. Une partie de l'opposition s'oppose à ces dialogues. Monsieur Ngoma, le pays n'a passé par l'opposition. Le pays appartient à tout le monde. Toi, l'opposition ne peut pas parler pour tout le pays. Non. L'opposition doit parler de leur position. L'opposition ne me représente pas. Toi, l'opposition représente qu'à leur parti. Le pays est grand. Je vais poser une question. Si, par exemple, on se réveille le 28, bon, le président actuel dit que moi, je ne pars pas. Qu'est-ce que l'opposition va faire? Mais l'article 64 de la Constitution prévoit justement une disposition qui stipule que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution.
Et donc, si le président Kabila tente de s'agripper au pouvoir, l'opposition pourra invoquer cet article pour pouvoir entreprendre certaines actions de désobéissance civile ou peut-être une action de ce que le combattant appelle soulèvement populaire, initier un soulèvement populaire, par exemple. Mais là n'est pas la question. Vous êtes ici aux États-Unis, les élections auront lieu à Kinshasa, disons en RDC, dans toute l'étendue du territoire national. Quand pensez-vous aller asseoir votre parti au pays? Quelle est la dernière fois que vous avez été au Congo? Au moins le choix. Moi, je vous ai dit, en tant qu'homme d'affaires, je suis au pays depuis 2010, je suis là 6 mois, 7 mois. Et votre parti est-il déjà implanté en RDC? Le parti implanté, nous nous préparons pour des raisons de sécurité, on ne dit pas la date exactement, mais on a déjà freté les choses qu'on a besoin, des trucs comme des instruments, trucs informatiques, tout est déjà parti. On se prépare maintenant pour aller au pays. On viendra ici de temps en temps faire certaines réunions, mais on rentre au pays maintenant, parce que c'est là où le match va se jouer. Donc, on rentre au pays. Vous rentrez quand? Bien. Dans quelques jours. Dans quelques Yeah, je jours. rentre dans quelques jours, pour des raisons de sécurité, je dis pas, on m'a interdit par Les financiers, notre équipe qui de sont sécurité. derrière vous, qui financent votre engagement politique, votre campagne électorale? Oh, ça sera bien si vous voulez me financer. Ça, je dirais pas non. Il y a personne qui finance ma campagne. Ma campagne, ça fait 2 ans, elle a été financée par notre propre investissement. Pas les enfants, mais moi et ma femme. Parce qu'on sait qu'il n'y a personne, en tant que fils du pays, j'ai l'obligation d'aider mon pays. Depuis que j'ai commencé, il y a aucune compagnie, il n'y a aucune personne qui peut dire que non. Moi, j'ai donné un chèque de 20 000, de 100 000. Non, ce monsieur-là, je veux le voir. Il n'y a personne. Les Tout. bailleurs, les Américains, les bailleurs de fonds américains ne se sont pas encore, comment dire, ne vous ont pas encore contacté pour pouvoir vous soutenir d'une manière ou d'une autre. Non, je peux pas être hypocrite, je connais certains bailleurs de fonds. Mais je vais utiliser un adage bantou qui dit, quand quelqu'un te donne, il faudrait donner quelque chose en retour. Quoi? Si vous me donnez, qu'est-ce que vous voulez en retour? Non, il n'y a personne qui ne me donne rien. J'ai commencé, comme je dis, c'est mon pays, c'est mes propres investissements. J'ai quitté la compagnie, donc j'ai eu une petite quelque chose pour à mon comment on dit ça pour à ma retraite et ma petite pension que j'ai mis à côté. C'est ça que j'utilise pour le pays, parce que je sais que le pays est vraiment en danger. Et en danger. Il n'y a rien qui marche au pays, je me suis dit. Le pays est en danger et un des fléaux qui mine ce pays, c'est la corruption. La corruption qui cause un manque à gagner énorme au trésor public. Comment pensez-vous endiguer ce fléau? Quand j'étais au pays, pour moi, j'ai diagnostiqué cette maladie à deux causes. La première cause de la corruption, c'est l'impunité. Les gens qui sont en haut là-bas, ça c'est une expérience que j'ai vécue, ils ne veulent pas signer certains accords, certains investissements qui peuvent bénéficier
de notre pays parce qu'il n'a pas réussi ceci ou parce qu'on ne lui a pas donné ça. Mais moi, je crois qu'en tant que président, c'est ton rôle d'appeler le monsieur et dire que bon, comme toi, tu demandes un pot de vin, tu vas passer, tu vas aller prendre ton pot de vin à Makala. La personne doit être jugée, pas arrêtée directement, dans la prison, non. On crée ce système judiciaire. La personne arrêtée, ils vont en justice, le gouvernement plaide son cas, et le monsieur coupable, il va faire 2 ans à Makala. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les gens qui sont en bas, ils font combien? Un an, 2 ans, 3 ans. Ils ne sont pas payés. Le paiement là a créé notre problème. On est humain. Que ce soit le pou ou l'épouse. Vous avez des enfants à la maison. Et à notre âge, on a des parents qui ont vieilli, qui veut dire qu'ils ont besoin à tout le temps d'avoir des médicaments. Et il y a un maman qui t'appelle, dit que oh, bon, mon fils, je souffre ici, j'ai besoin de ça, le docteur a demandé, il y a un j'ai besoin de médicaments, c'est $30. Et 6 mois, vous n'êtes pas payé. Quelqu'un qui compte dans votre bureau dit, bon, est-ce que vous pouvez faire ceci pour moi? Il y a $200 qui sont là. Nous sommes humains. Si vous attaquez ces deux éléments, je ne dis pas que la corruption sera éradiquée complètement à 100%. Mais la corruption ne sera pas ouverte comme ça se trouve chez nous actuellement. Et les gens aussi auront peur d'être corrompus facilement par des gens. Ici aussi, on vit aux États-Unis. Il y a la corruption. Mais combien de gens actuellement qui sont derrière le barreau à cause de la corruption? Donc pour moi, si vous attaquez ces deux éléments, l'impunité et commencer à payer les gens comme il le faut chaque mois et avec un bon salaire, oh, vous verrez pour vous-même, après 1 an, 2 ans, on va se demander, oh, qu'est-ce qui se passe maintenant? Mais le Congo a changé. Parce que j'ai jamais été là-bas, mais il y a un pays à côté de nous, c'est ce que j'ai appris, que le monsieur, carrément, pour lui, la corruption n'est pas acceptable. Et actuellement, quand vous allez dans ce pays, j'ai appris que c'est difficile de corrompre quelqu'un. C'est difficile. C'est faisable. Alors, votre message de la fin, je préfère que vous puissiez le faire en langue du pays, si c'est possible. Oh, avec plaisir. Oui, donc j'ai noté que vous parlez plusieurs langues du pays, ou quelques langues du pays, notamment le Lingala, le Kikongo, ou encore le Swahili. Le français, bien entendu. Alors, allez-y, votre message de la fin pour le Congolais qui vont devoir vous écouter. Merci. Je voulais remercier d'abord M. Ngoma pour m'avoir accordé cette opportunité de vous parler. Ça fait longtemps qu'on a parlé en 2010. Là, j'étais encore M. Ngoma, maintenant c'est Dr. Ngoma. Maintenant c'est Dr. Ngoma. Voilà. Je vais maintenant avec toute fierté, Dr. Ngoma. Merci beaucoup pour l'opportunité. Batoto Kisangani, ba mama ya mboka ya Kinshasa, ba papa ya Kinshasa, ba tati ba mama, kuna Bandundu, kuna ba Congo Central Butusid, na s'excuser na iba ki mwa chiluba muki na zaki na muninga na ngai tokola azaki kamala mutema azaki muluba kufaki ya kufaki na SS azaki kola kisangai chiluba me kufanda, kutambula, kulubate bunga. Bino bana mboka, eloko ngai na kusenga bino, ezali, botala ngai malamu. Ngai nazali, motote, nazoko yako nuka, nazwa mwa lipa, nazwa mwa miliki kona leate. Nasi, mwa miliki na ngai, mwa lipa na ngai, zambaya pesi nga mwa muke na mupanzi. Na lingine kumima, misala, na hibi kyo, misala yango
te rebondir sa vie sur la moka. Batu bazo kufa nzala, pour nous bazana misalate. Batu bazo kufa, pour nous mbonga au sombati, c'est zate, et sale et zate. Batu, bap maman, na batata, bozo tina ba na classe te, poza na mbongo, ya mime falte, pour na nini, poza na misalate. Ngayi na ye bindengi nini, kosala, misala. Ma compagnie Oyo et ya kofuta bino malamu $30 te $100 te te wane za salaire te salaire Oyo kobanda na $300 tina $3000 ça dépend mon salaire ni zo sala na compagnie et loko ali bosso Oyo lengal ni melabino ngwana et ya ni balé na ko melabino sécurité moto moko le soso te ya kolamuka o kuluna bomiye o Kingandi ya bumiye ya kofuta buka kimi. Non. Na kumembila dino sekirite. Na mboka mobimba. Kipi na kati ya mboka bisoba na tufandi. Buloko mi bale wana na garantiri bino. Buloko msusu ya misatu ya makasi. Ezali edikasyo ya bala na bino. Toko bongi sa ba klas. Ngayi na yebi ndengi batonga ba klas. Tozana bato yoneti. Batokte ngoma. Pafandi na mokili mobimba. Toko zongi sa bango. Baya kutangisa, bala na biso, biso peto kumu na mboka ya malamu. Bloko misato wana na kubanda nango, kwa kumona binu moko. Oyo mosusu, male male mtu wana kutonga mboka. Kubongisa babala bala, kusukola mboka, kukomisa ngo na bupeto moko ya kusakanate. Na pesi bino, merci mingi, ezai sengo, tozo ngisa mboka, neto za kubenga ngo, nchasa la bel, ngayi nazaa mwana kisangani, lalingi kisangani mingi, na lingini kisantu, na tangi kuna, na fandi kuna lingini mingi, wa mboka na biswe baby, noto mususu wako bongi sa mboka azate, toko benga mupaya te, toko benga mutu te, biso mboko toko bongi sa mboka. Ngayi, nako memelabino yango, nazana experience nango, nazana 18 ans experience nango. Soki nako yiko yane, tazi ni mboka munene, nasala kompanya munene, pomitula siko, soki na ina mboko ya ngayi, eloko ni nako sala kona bana mboka. Merci mingi, to simbana tozana besoin bolingo mboke ko tonga mana mtu mokote bisonyo sa foto simba to tonga mboka merci mingi pona tango bo pesi ngai matondo mingi enda kisanti sana na batoto yote ya Kisangani. Merci, merci beaucoup monsieur Wei et Wei Emmanuel Wei nous recevions pour vous monsieur Emmanuel Wei candidat à l'élection présidentielle de prévu en novembre 2016 en République démocratique du Congo. Merci donc de nous avoir suivis. Docteur Sylvestre Ngoma vous dit au revoir et à la prochaine.